L'intelligence artificielle progresse de manière exponentielle, prenant une place importante dans tous les pans de notre vie. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Une IA est un programme informatique codé pour réaliser automatiquement des tâches à partir de la collecte et du traitement de données. Actuellement, le marché de l'intelligence artificielle pèse plus de 4 milliards de dollars et sera multiplié par 15 d'ici 2 ans. L'IA est utilisée dans 77% des objets que nous utilisons quotidiennement. Plus de 7 personnes sur 10 lui font confiance et comprennent ce qu'elle est. 88% des discussions sur des sites commerciaux sont dirigées par des chatbots. Et plus de 2 millions d'utilisateurs ont engagé une discussion amicale avec des IA via des applications dédiées sur ces 5 dernières années. Or, il est important de comprendre les limites de l'IA. En effet, l'IA n'émet et n'éprouve aucun sentiment. Elle traite des informations qu'un humain lui transmet. Lorsqu'une personne fait une demande à une IA, celle-ci se sert d'un ensemble d'informations depuis une base de données pour calculer la réponse la plus probable. L'IA n'est pas conçue pour éprouver de l'empathie, ce qui soulève des inquiétudes quant à un mauvais usage qui peut être fait de cette technologie. Certaines personnes se retrouvent en situation d'addiction et de dépendance affective, prisonnières de relations artificielles nouées avec des IA. Cette dépendance peut entraîner des conséquences sociales et émotionnelles dévastatrices, comme l'isolement et la disparition de tous liens sociaux. L'amour avec un grand IA n'existe pas.